Bonjour à tous et soyez à nouveau la bienvenue dans ce let's play de Silent Hill. Donc nous allons reprendre là où nous avions laissé la dernière fois, à savoir à l'école renversée, corrompue. Donc nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ha 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 ha. Les enfants taupes sont toujours là, hélas. Oups. Et nous devions... Ah, je vais visiter le lobby. Et ensuite, ah, je suis pas allé fouiller le storage room là-bas. Tant pis, le lobby. Et faut pas que j'oublie les touches. Wow, fuck. Oh non! Ah zut, ça y est, ça commence. Ah mais zut, Lâche-moi les boules! You son of a... Allez! Putain, mais c'est pas vrai! Je veux pas fail aussi proche, aussi tôt dans le jeu. Oh, mais sans déconner, il s'est passé quoi là? Je sais pas pourquoi. Il a vachement beaucoup ignoré mon flingue. Je sais pas, je dois faire quelque chose de mal par rapport à la dernière fois. Alors évidemment, c'est fermé, on peut pas quitter l'école. J'ai cru que c'était des objets de soins ici, mais non. Ici, nous avons une ampoule. Donc, l'objet de soin, le meilleur objet de soin du jeu. Puisqu'il restaure toute votre vie. Alors, on va rester à distance. On va le truffler de plomb. Et ici, nous avons une autre porte, qui est sûrement l'infirmerie. Wouah! C'est magnifique. Nous avons donc une porte décorée de deux cadavres emballés dans des sacs. Charmant. Je veux le même décorateur pour mon intérieur. Mais par contre, pas les mêmes meubles parce qu'ils ont l'air un peu pourris. Hein. Donc ici, il nous faut une clé. Nous supposons qu'il nous faut une clé puisque c'est fermé. Je le sais. J'ai pas essayé, mais je le sais. Je m'en souviens. Nous allons aller... C'est ouvert, nous allons traverser pour rejoindre l'autre côté, fouiller le storage room et le reste du premier étage, enfin le rez-de-chaussée, et attaquer le premier étage. Qu'est-ce que nous avons ici? Pas de menace apparemment. Ok! Balle de caoutchouc, vous la prenez? Oui, super. Une poupée sans tête est clouée au mur. Magnifique. De mieux en mieux. Faut rester positif quand vous traversez Silent Hill. Fermé? Nom de Zeus. Ok. Donc nous allons retourner plus en arrière et grimper à l'étage suivant par la porte, par l'escalier qui est à l'opposé de notre position actuelle. Comme de bien entendu, j'ai envie de dire. Ce serait trop facile sinon. On va essayer d'éviter les combats au maximum parce que ça rapporte pas grand chose. Et plutôt se concentrer sur les combats qu'on ne peut pas éviter. Pour la simple et bonne raison que voilà, des parties de 30 minutes où au final je ne fais pas grand chose, c'est un peu pénible. Et surtout, je suppose que ça doit pas être... C'est fermé. Ultra intéressant, regardez. Pourquoi c'est fermé déjà? Où est-ce qu'on est déjà? Ah mais oui, on vient de l'intérieur. Mais alors du coup, on est ici. Ah, bah je crois qu'on n'a pas le choix et on va devoir aller ouvrir la fameuse porte bizarre qui est pas dans cette salle. Dans celle-là. Je crois que nous n'avons pas le choix. Quoi? Est-ce une porte? Si oui, elle n'a ni serrure ni poignée. Si je la pousse, elle bouge un peu, mais ne s'ouvre pas. Qu'est-ce que c'est? Une fente horizontale passe par le centre de la porte. À quoi ça sert? Eh bien, Harry, il faut mettre la carte illustrée avec une clé dessus. Glisser la carte illustrée dans la porte. Nous pouvons passer! Ouais! Et nous sommes... ici, ouais. On s'est retrouvé de l'autre côté, nous allons pouvoir aller au premier étage, n'est-ce pas fantastique, mes amis?
Réjouissez-vous, exultez, exprimez votre joie profonde par, je ne sais pas moi, quelques acclamations telles « Oh !» ou « Ah !» Et je sais, c'est super intéressant, merci la caméra. Non ! Des créatures. Et ici, oh, des balles. Des balles de pistolet, vous les prenez. Des cartouches de fusil de chasse. Awesome. Est-ce qu'il y a le fusil de chasse qui va avec? It will be nice, just so you know. Et ici, tu peux pas nous avoir, disco. Tout ça pour dire que y a rien ici en fait. Comme c'est étrange. Comment se fait ça? What? What? Bizarre. Pourtant explorer cet endroit. Apparemment pas. Ouh la vache. Ah c'est dégueulasse. Quoi? Ok. Un corps pendu. Qui donc a pu? Et nous récupérons le fusil de chasse. Yeah. Et c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Fusil de chasse, donc. Une arme à distance. À courte distance. Mais avec une puissance de feu inouïe. Contient jusqu'à 6 balles. Alors ça c'est du fusil. Et j'ai 12 balles, donc ça nous fait 3 charges. 3 fardeurs, c'est pas mal. C'est même très bien. Oh oh. Non. L'autre. L'autre. Putain, Harry, bordel de. Ah, mais. Mais qu'est-ce que tu fous, sans déconner? Putain, il s'est pas visé ou quoi? Oh. Eh oh, que je te tienne la main ou quoi? Putain, sans rire quoi, j'ai jamais vu ça. C'est désastreux. Apparemment, il y a un autre monstre ici. Oh ! Un scolopendre. Scolopendre, c'est ça? Je crois. Je ne sais pas. Ce casier est ensanglanté, mais nous ne pouvons rien faire avec. Tant pis. Ce n'est pas bien grave. Il y en a d'autres d'ensanglantés. Et soit j'accède directement à l'autre salle, soit je vais explorer dans le couloir à nouveau. Pour me rendre compte que c'est une porte barrée. Magnifique. Je ne vais pas me laisser démonter par un obstacle aussi... minime. Pas de monstre à l'horizon. Les choses se présentent plutôt bien. Des balles! Trop cool. Oh, des téléphones. On va appeler la messagerie rose. Impossible d'utiliser ce téléphone. Bon, tant pis. On aurait pu, je sais pas, moi, appeler la police ou... What the... C'est la voix de Cheryl. Je la reconnais. Où est-elle, Cheryl? Elle donne des nouvelles quand même, hein. C'est une gentille fille. Bon, c'est pas forcément des bonnes nouvelles, hein, mais bon. Que voulez-vous? Ici, nous avons... Non. La porte a déverrouillé. Voilà. Et nous pouvons aller à l'étage supérieur. Oui! Hello. Hello. On va fouiller cette salle. Oh fuck. Oh shit. Oh damn. What is this? Oh non. Get away, get away. Merci Harry. Tu commences à bien viser, c'est sympa. C'est pas mal.
Le plus dérangeant, c'est pas le gâchis de munitions, parce que comme vous voyez, j'en récupère des terres à chier. Non. Le plus ennuyant, vraiment, dans l'histoire, c'est le fait que Harry ne sache pas viser, et que donc on perd beaucoup de temps, et que les ennemis se rapprochent, et qu'ils viennent finalement vous grignoter l'entrejambe, ce qui ne doit pas être forcément très agréable, étant donné les circonstances. Nous nous trouvons dans un monde complètement délirant et paranoïaque. Des cartouches de fusil de chasse un peu homosexuelles. Pardon. J'aurais pas dû dire ça. Wow, encore des taupes. Oups. Hop là. Rien ici. Oh, regardez, il est affamé. Ah. Et ici. Je vais surveiller ma vie ainsi. Ouais. Prendre une petite boisson quand même, hein. Faudrait peut-être pas abuser, hein. Donc, j'ai l'instinct un peu... un instinct de survie assez faiblard. Il faut que j'arrête de consulter la carte toutes les deux secondes, ça devient... Oh, fuck. Non. Ah, scolopendre. Lâchez-moi. Non. Oh, ok, il n'y a plus de porte ici. What? Rien à l'intérieur. Rien du tout. Ah, mais ça... Putain de bordel de merde. Ok. J'avais oublié ça. Oh, magnifique. J'avais complètement oublié. Comme quoi, ce jeu ne perd pas de... de ses petits coups de... de traître, j'ai envie de dire. Oh, c'est fermé, bon sang. Non! Laissez-moi, saleté d'insecte. Je vous ai jamais aimé. Même dans A Bug's Life. Mille et une pattes. Fourmise, je vous détestais. Alors, vous voyez que je fais tout le chemin inverse. Wow! Sweet! Boisson vitaminée. Je fais tout le chemin inverse parce que nous allons emprunter la porte qui se trouve juste ici. Vous voyez que je me déplace déjà un peu plus vite dans le jeu. Je commence à reprendre un peu le dessus sur les contrôles. Je me laisse pas faire, à part ces enfants taupes, ma foi, très affamés. Mais que voulez-vous? Par ici. Tout est fermé. La clé de la bibliothèque. Bibliothèque. Ok. Oh! De la lecture. Ah, une trousse de soins. Entrez. Qu'un livre utile. Ok. Bon. Hey, Harry, what are you doing? Alors, quelqu'un a frappé à la porte ici. Mais il n'y a personne. Oh, un livre. Entendant ceci, le chasseur armé d'un arc et de flèches dit « Je vais tuer le lézard. » Mais quand le chasseur trouva le reptile, il ne l'attaqua pas, mais l'insulta. « Qui a peur d'un reptile ?» À ceci, le lézard furieux rétorqua « Je vais t'avaler d'une seule bouchée !» Puis, l'énorme créature attaqua, la gueule grande ouverte. C'était juste ce que l'homme attendait. Calmement, il décocha sa flèche dans la gueule du lézard. Tout droit, la flèche alla transpercer les organes internes du lézard qui s'écroula. Red mort. Il s'agit là d'un ancien conte de fées que j'ai lu quand j'étais enfant. Intéressant. Des balles. Toujours plus de balles. Je sais plus trop, je crois que c'est pour une énigme. Ou pas. I don't know. Il y a pas mal de documentation dans ce jeu qui sont assez optionnelles. C'est un peu la marque de fabrique de Silent Hill, des documents pour un peu raconter l'histoire du jeu de façon anecdotique, pour conserver un peu un climat de peur au sein du jeu, pour la simple et bonne raison que ce sont toujours des nouvelles un peu étranges, des coutumes un peu bizarres, genre... Je me rappelle pour mémoire dans Silent Hill 2 quand nous trouvions un document qui indiquait que
Attendez, je vais vérifier un peu mes objets. Je sais où nous devons aller. Qui racontait que des chasses à la sorcière et des bûchers, les exécuteurs de Silent Hill, les exécuteurs de l'église de Silent Hill utilisaient comme masque de bourreau une gigantesque pyramide d'acier. Détail intéressant, puisque dans Silent Hill 2, il y a une de ces créatures. Il y a une valve de drainage, rien d'inhabituel. Oh, il y a du sang ici. Ah! Il y a une clé, elle est juste hors de portée. Ah, donc il suffit d'activer l'eau. Rien à voir avec un lézard et une gueule grande ouverte avec un arc et des flèches. Mais bon. L'eau s'échappe par le mauvais drain. Je peux essayer de le détourner. Mais ferme pas la valve! Oh, mais tu m'obliges à revenir à la valve après! Espèce de salaud! Ma foi. Go! Non, bien sûr, tu peux pas, parce que t'es bloqué par un mur invisible. Forcément, les murs invisibles vous empêchent d'avancer. Hop là, une balle en caoutchouc dans un trou. Nous allons remettre l'eau. Et ça fait des chocs à pic. Hey, bouge, bouge. Grouille. J'ai jamais vu quelqu'un ouvrir une manivelle aussi lentement. Bien, nous pouvons donc aller chercher la clé en bas du tuyau de drainage, je suppute. Donc, nous devons descendre deux étages. Enfin, un étage. Non, deux. Enfin, un et demi. Puisque nous sommes juste sur le toit et que la porte est à 2 mètres. Ben enfin. C'est parti. Pour l'aventure épique jusqu'au rez-de-chaussée. Tournicotis, tournicoton. Oui, nous pouvons sortir par là. Ça fut bref, mais intense. Nous sommes dehors. Et la valve de drainage n'est pas ici, elle est de l'autre côté, il me semble. Même de l'autre côté encore. Non, je me gourre, c'est de l'autre côté. Ouais. Orientation d'un pigeon. Elle est là. Voilà la fameuse clé. Une clé de classe. Vous la prenez. Alors, rappelons-nous, quelle porte était verrouillée au second? Puisque c'était au second, il me semble. Voilà. C'est la clé qui est... Enfin, c'est la porte qui est en bas à droite. Donc, nous devons... Nous sommes au nord. Hop là, on remonte. On prend l'escalier ici. Hop là. Tournicotis. Tournicoton. Non. Ne reprends pas l'écran de chargement, Harry. Je n'ai pas envie. Je ne suis pas d'humeur pour ces sottises. Wouh! Esquive like a boss. Non, les scolopendres, ils vont dissoudre mon armure. Fermé. Bah t'as intérêt à ouvrir. Oh. Ça se trouve c'était... mauvais écran. Ça se trouve c'était au premier étage. Et je me sentirais bête. Très bête. Et non, je ne crois pas que ce fût au premier étage. Puisque nous sommes supposés atteints dans la salle de classe qui est juste ici. Ah, pourquoi ça n'ouvre pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose incorrectement? C'est fort possible, ma foi. Je ne vais pas le nier. Mais non, je suis bête, c'est les classes qui sont de l'autre côté. Puisque ces classes-ci nous permettraient d'accéder à l'autre partie du truc du schmilblick. J'arriverai à parler. La dernière partie de l'école qui nous était jusque-là inaccessible. C'est-à-dire... Le sous-sol. Un.
Non, rien à faire, ça n'a toujours pas l'air terrifiant quand je mets de la musique dramatique derrière. J'en mets même pas parce que je parle avec, je la chante. Enfin bref, trêve de Salam Alek. Entrons dans ma classe. Présent. Enfant taupe. Présent. Ah non, désolé, il est malade. Moi, est-ce que je passe ma frustration dans les jeux vidéo? Non, 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 non. Du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout. Et ici, il y a... Ouh, un objet de soin, comme c'est agréable. Merci. Je le prends volontiers. J'en ferai bon usage. Promis. Ou pas, je vais juste perdre ma vie comme un demeuré et consommer tous mes items de soins en plus de temps que ce que j'aurais souhaité. Nous sommes dans le sous-sol. Ah non, toujours pas. C'est ouvert. Et on y va, on est des ouf. Ok, la décoration est fabuleuse. Toujours. Ici, nous avons la chaudrie. Est-ce que... Je sais plus. Storage. C'est ouvert. Ooh, sweet baby. Ooh, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Pardon. C'est un nerdgasme. Et nous avons ici... Si ma mémoire est bonne, et Dieu sait qu'elle ne l'est pas forcément, nous devons tourner trois fois à droite, celle de gauche, et une fois à gauche, celle de droite. Mais je peux me tromper, hein, comme je l'ai dit. Mais je crois qu'en fait, ça sert trop à rien ce que je suis en train de faire, sans déconner. Ah, quoique pas. C'est de tourner la valve. Et... Complètement à côté de la plaque. Mais ne vous inquiétez pas, je crois que je tiens presque la solution. Ou pas. Pas. Ça ressemble plus à du non que du oui, mais... Ne faites pas attention à ça. Bon, si ça se trouve, je remettrai un autre interlude, genre 3 mois plus tard, il n'a toujours pas trouvé la solution. Quelle tristesse, quelle tristesse. Et ça, c'est le genre d'énigme en plus que quand je l'ai fait, la première fois, je l'ai trouvé du premier coup, et puis les fois suivantes, je m'en suis rappelé sans aucun problème. Et puis là, maintenant que je fais la démonstration, je suis incapable de réussir. Je fais ça, ça va le remettre en position initiale. Oh bon sang. Ah, je suis pas aidé non plus. Hein. Oui. La 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 la. Oh merde. Je suis moins heureux d'un coup. Je suis plus à. Je crois que j'ai mouillé mon pantalon. Oups. Ok. Fantastique. Wow, 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 wow. What the fuck is that? Souviens-toi, Harry, le comte du lézard, la gueule ouverte, au dernier moment. Wow. Non, 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 il m'a eu. Bon, j'ai pas pris beaucoup de dégâts, hein, mais bon. Nous allons donc nous équiper de notre fidèle shotgun. Come on. You want some? Non. Eh, hey, c'est pas juste, il a foncé d'un coup. Question is,
canaries. Non, non, non. Est-ce que tu veux bien ouvrir ta grande gueule, s'il te plaît? Non. What? Quoi? Non. Quoi? Quoi? J'ai cru que j'étais mort. Je suis pas mort. J'ai gagné. J'ai gagné. Enfin, je suppose que j'ai gagné. Saint-Pierre, est-ce toi? Hein? What the... Hmm? What was that? Who in the hell was that? Où suis-je? On dirait la salle des chaudières? Qu'est-ce qui se passe ici? Honnêtement, Harry, j'en sais pas plus que toi. La clé de Kay Gordon. Oui, je la prends, la clé de Kay Gordon. Chaudière est arrêtée. C'est pas plus mal parce qu'apparemment, quand on met la chaudière en route, il se passe des trucs suspects. Et j'aime pas trop beaucoup ça. On s'entend. Serait-ce le son des cloches? J'entends une cloche. Serait-ce une cloche d'église? Qui peut bien faire sonner la cloche? Balkan Church. Ok, so rendez-vous à Balkan Church. Nous allons y aller et nous nous quitterons là-bas. Parce que se faire des adieux dans une église, c'est moins triste, peut-être. Et apparemment, la carte est toujours renversée. C'est ouvert. Pouh! J'ai bien cru que j'allais mourir, sans déconner. Hein. Et en plus, vu que bah, je sauvegarde pas souvent dans les let's play, surtout Silent Hill, quoi, parce que c'est pas comme... Ça rend pas la vie comme dans Castlevania, forcément. Et bien, j'ai bien cru que j'allais y passer. Et je sais pas du coup ce que j'aurais fait. J'aurais dû tout recommencer. Ou pas. Donc, Balkan Church is... Alors, je suppose que Block Street est ouvert. On va regarder. A priori, oui. On va se rééquiper de notre fidèle Glock. Notre Glock. Et donc, toujours phase de jour. Pas de musique. Juste le bruit de nos pas. Et le vent qui hurle dans les rues désertes. Peut-être aussi au détour d'une ruelle rencontrerons-nous un canidé, ma foi plus tout à fait en forme. Un canidé qui a beaucoup souffert. Ou bien peut-être des chauves-souris. Ok, plutôt une crevasse dans notre situation actuelle. Ça, moi aussi je suis exaspéré Harry, moi aussi j'ai envie de souffler de dépit. Ah bah bien, on n'a plus qu'à remonter par Old Silent Hill. Je suppose que nous n'avons guère le choix pour le moment. Il se passe vraiment rien en plein jour, ma foi. Vous vous demandez probablement ce que je suis en train de chercher. Bah ça. Déjà, en premier lieu, des items un peu répartis comme ça au hasard, nous ne les trouverons pas tous, malheureusement. Pourquoi? Eh bien, je crois que je me trompe carrément de direction, pardon. On va revenir sur nos pas, c'est pas bien grave, on va sûrement se faire attaquer parce que ça fait un moment qu'on est dehors et qu'on est trop tranquille. On n'entend plus les cloches. Tant bien, j'en avais marre. Je veux dire, c'est bon quoi. Là, j'ai pas non plus besoin de les faire sonner pendant 20 minutes, surtout qu'il y a personne dans la ville. Qui tu veux le faire entendre ta putain de cloche? Oh putain, si je chope celui qui a fait sonner la cloche, mais il va tellement manger ses dents, je vous le jure. Qui que ce soit. Même si c'est Cheryl. Nah. La pauvre petite. Enfin.
Faut dire aussi qu'elle a des goûts musicaux, ma foi, tout à fait douteux. En plus de faire des dessins affreux. Je veux dire, par moments, j'ai l'impression que cette fille est possédée par le démon. Got your nose! Non! Non! Pourriture communiste! Changement de caméra, ça veut dire que c'est important! Nous arrivons dans un jardin identique à celui que nous avons traversé pour aller à l'école. Mais ce n'est pas la même maison, puisque nous utilisons la clé de Kay Gordon. Oh, encore des balles. Décidément, c'est la fête au village. Regardons combien de balles nous disposons dans notre pistolet. 200. Waouh. Je pourrais en gâcher si je voulais. On va pas sauvegarder tout de suite, hein. Je vous amène quand même à l'église parce qu'il se passe quelque chose. Forcément. Vous voyez, au loin, on peut voir la neige, la cendre tomber à travers la fenêtre. Petit détail intéressant, la distance de vue est quand même... Enfin, les petits détails comme ça. Normalement, dans les vieux jeux comme ça sur PS1, les fenêtres, vous voyez que dalle à travers. Pourquoi je vais dans l'inventaire quand je veux regarder la map? Parce que Castlevania. Oh, mais ça suffit là. Putain. Ouh. C'est un cadeau pour se faire pardonner de l'état des routes par la mairie. Une bouteille de vitamines devant chaque maison. Attends. Je perds du temps, mais là c'est trop lolifiant quoi. I believe I can. Désolé pour le petit. Le petit écart passager. Nous allons pouvoir nous diriger vers Dragon Street. Ou pas. On va remonter sur Block Street. Par la route par ici. Nous n'allons pas nous soucier de Batman qui nous court après. Parce qu'après tout, nous ne sommes pas des criminels, nous n'avons rien fait. Alors si vous voulez bien nous foutre la paix quand même, cet enfoiré là. Putain, je veux dire, c'est un millionnaire et tout. Et lui, il passe quoi son temps à se prendre des pains, à combattre le crime. Enfin, je veux dire, avec des millions, moi je recrute une armée de Batman et ils le font à ma place quoi. Enfin, même il a des milliards. C'est quand même. Bruce Wayne! C'est pas personne! Enfin, j'ai plus rien à dire, j'ai tellement plus rien à dire que je parle de Batman. Nous sommes arrivés! Ouais, ça y est, j'aurais pu combler les vides avec des conneries! Presque. S'il y a encore une route détruite. Je crois que mon joystick trouvera une nouvelle façon. De vivre qu'entre mes mains. Je n'en dis pas plus. Puisque je me rends compte que c'est absolument dégueulasse. Nous sommes arrivés. Ouais, oubliez tout ça, ça n'est jamais arrivé. Oh, elle est moche. Putain, qu'est-ce qu'elle est moche. Were you ringing that bell? I've been expecting you. It was foretold by gyromancy. What are you talking about? I knew you'd come. You want the girl, right? The girl? You're talking about Cheryl. I see everything. You know something? Tell me. Stay back. Nothing is to be gained from floundering about at random. You must follow the path. The path of the hermit concealed by Flauros. What? What are you talking about? Here, the Flauros, a cage of peace.
It can break through the walls of darkness and counteract the wrath of the underworld. These will help you. Make haste to the hospital before it's too late. Wait! Don't go yet! Ma foi, en plus d'être moche, elle est sacrément atteinte, la vieille, hein. Putain! La gyromorphie, je vois tout! Il faut suivre le chemin des ténèbres, Bac, Club Floros ou je sais pas qui. Oh mon dieu. Comme si ça suffisait pas, tout ce bordel dans la ville, voilà que maintenant même les humains ne sont plus tout à fait eux-mêmes. Il y a un journal, rien de spécial. Je vais récupérer le Floros et sauvegarder et vous quitter ici, ma foi. Je vous retrouverai la prochaine fois et juste pour que vous le sachiez, j'ai un let's play secret en cours. Bientôt. Je posterai les vidéos quand j'aurai un gros creux pendant lequel je peux pas enregistrer. Enfin, je commencerai à l'uploader à ce moment-là si j'ai un gros creux pendant lequel je peux pas enregistrer du Silent Hill. Ce qui risquerait d'arriver éventuellement. Donc, juste pour que vous sachiez, voilà, il y a quelque chose en préparation. Je ne vous dis pas encore quoi. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous retrouverai la prochaine fois dans ce Let's Play de Silent Hill. Bye!